arrivederci. Arrivederci. Itamar just won with the Israeli national team. No, no. Yes. Itamar just Israeli, won. Israeli won. On the podium. He's on really our now? Team. Yeah, right now. He just won. This is our rider in a different Itamar? Yeah. Itamar Einhoven. Wow. Look what's on his... I'm on my team's lap. Take it, Israel. Okay? Israelis are winners. Yeah, we know that. Yeah. Il a remporté les trois grands tours, vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour d'Espagne, quatre fois vainqueur du Tour de France, il est devant vous, Christophe Froome. Ovationné Christophe Froome sur l'île des impressionnistes de Château avec ce parcours, avec ce palmarès, cette carrière impressionnante également. Il est un impressionniste du cyclisme international, Christophe Froome, le collectif Israel Startup Nation. They said no one will come to see the Giro, that all of Israel came to see the Giro. That everyone loved Israel in Italy. We come to France, they say they don't. Everyone said Ale Israel, they love us. Yeah. They love Israel. We show them the non-political, lovely Israel, sportsmanship like you, like him. They love us. We're not afraid of anything. Kol hakavod, Silvan is pushing for us. Hey, my partner, hey, my partner. After a gentle start, it was time to get game faces on as they made their way into Paris. The peloton heading past the Louvre and up the Rue de Rivoli to the Champs-Élysées, the proper racing was set to begin as they crossed the finish line for the first time. אני חושב שהדבר הראשון שהוא אמר לי שדיברנו אחרי הימים הראשונים, הוא אמר שזאת התחרות הכי קשה שהוא עשה בחיים. ושהוא לא עשה שום דבר שדומה לזה. אז אני מניח שרק מהמילים האלה, אם הם יצאו ממנו, כנראה שבאמת יש פה אווירה מיוחדת בתור. You did a good job, baby. Yeah. Made it so almost. I know. Tell me, scared me. Next time. Oh, man. I'm fucking worried. Andre. איך התחושה פה לרכב על הרצפה הזו? זה נורא במפי, אבל באמת מתגשם איזשהו חלום. C'est incroyable. Être ici en jeûne ou comme aujourd'hui, juste pour terminer, c'est un sentiment vraiment spécial d'arriver sur la Champs-Élysées ici à Paris. Ça me donne beaucoup de motivation pour retourner à l'avenir, pour être là, pour faire la bataille avec le meilleur. Eh bien, on était prêts pour la prise de la Bastille. Bon, il y a eu les barricades. On était là, prêts au combat. Et puis ils ont tiré plus fort,
Et puis voilà, donc on n'a pas gagné, mais on va se battre, on va se battre. On est sur la place de la Concorde, là, et on va se battre. Il n'y a pas de problème. Il y a l'Assemblée nationale qui est juste derrière, les Champs-Élysées, juste là, avec l'Arc de Triomphe. Et un jour, on triomphera. Yallah !